tu manques de chic dans ce que tu as sur toi. I'm so sorry, darling. Salut tout le monde, spécialement vous, fans de mode. C'est une nouvelle semaine, c'est donc un nouveau numéro de À dans 20 minutes. Je vous dis bienvenue. Salut Dashka, salut à toutes et à tous. Vous nous attendiez, et ben nous voilà. À dans 20 minutes est chez vous. Installez-vous et laissez-vous faire. Aujourd'hui, on revient dans le groupe A où Emily Lalanne affronte Jérusalem Mondelus. Vous vous souvenez d'elle? Jérusalem Mondelus, c'est une jeune fille de 28 ans qui, dans le mode, ça fait plus de 8 ans, qui aime tête, qui aime monde, qui aime mode, qui aime fashion. Moi, c'est étudiante en communication sociale et moi, c'est étudiante finissante en ticketing, hôtellerie et tourisme. Moi, c'est Emily Lalanne, moi, c'est dernière petite maman, ma papa. Moi, j'ai 22 ans, je suis étudiante sciences administratives, IHECE. Moi, c'est voleuse et mannequin. Je me fais Port-au-Prince, maman me saute Jérémy, papa me saute Akin. Pour rappel, ce groupe est dominé par Wesleyn Paul, qui a su prendre les 3 points lors de son affrontement avec Neji Baptiste. La question qui se pose est de savoir laquelle de Jérusalem ou Emily retrouvera Wesleyn à la tête du classement. Rendez-vous à la fin de cette émission. Allons pour le thème d'aujourd'hui. Tenue de plage. Et rapidement, notre petit historique habituel. Le maillot de bain est apparu aux alentours de 1850, lorsque l'aristocratie française se prend d'affection pour la baignade et envahit les plages normandes. Les femmes se baignaient alors en costume de bain complet, la pudeur aristocrate exigeant que le corps féminin soit le moins découvert possible. Il n'y avait que les prostituées qui montraient leur peau et les paysannes qui en compromettaient la blancheur en l'exposant au soleil. Ces costumes de bain se composaient de 6 pièces au minimum. Un pantalon bouffant jusqu'aux genoux, une chemise large à manches courtes, une ceinture, un bonnet, des bas et des chaussures. Peu importait l'hygiène et le confort des nageuses, le but était de dissimuler au maximum leur corps. Non mais sérieusement? Grâce à la révolution industrielle, la bourgeoisie accéda à son tour aux plages et le maillot de bain s'allégea alors qu'il se démocratisa. En 1905, la nageuse australienne et star du cinéma muet Annette Kellerman osa s'exposer sur la plage de Revers, à Boston, vêtue de maillot une pièce épousant ses courbes. Elle fut exclue de la plage et poursuivie en justice pour cet outrage aux bonnes mœurs. Et pourtant, n'en déplaise aux bigots, le premier pas était fait et d'autres ne tardèrent pas à s'engouffrer dans la brèche. Le maillot une pièce devient de plus en plus populaire, tandis qu'en 1920, Carl Janssen innova en mettant au point une maille très élastique. Les maillots de bain féminins se portèrent alors près du corps. Face à cette débauche féminine, la police des mœurs courait les plages de France et d'Amérique pour vérifier systématiquement que les costumes de bain n'étaient pas trop courts, pas plus de 5 cm au-dessus du genou. Et les insolentes qui avaient osé découvrir quelques centimètres de peau en trop étaient traînées hors des plages et sanctionnées. Mais l'insolence ne pouvait s'en tenir là. En 1946, le couturier Louis Réard présenta son premier modèle de 2 pièces échancrées sur Michel Bernardini, une stripteaseuse du casino de Paris, et la seule mannequin à accepter de revêtir le sulfureux bout de tissu à la piscine de Molitor à Paris. Très audacieusement, baptisé Bikini du nom de l'atoll américain où venait de se dérouler un essai nucléaire, il fut commercialisé dans une simple boîte d'allumettes avec le slogan « Le bikini, la première bombe anatomique ». Un coup de génie d'un point de vue marketing. Le maillot fait scandale autant qu'il fascine. Il fut interdit sur beaucoup de plages, notamment en Italie, en Espagne et en Angleterre. La revue américaine Sports Illustrated stipula en 1956 qu'il était presque inutile de perdre son temps à parler de ce fameux bikini puisqu'il est tout bonnement inconcevable qu'une fille pourvue d'une simple once de tact
et de décence, ça vise de porter pareille chose, rappelle le site Slate. La bataille fit rage jusque dans les années 70, alors que les femmes portées par le vent des subordinations de l'après-guerre prenaient le droit de jouir de leur corps, le bikini prit les armes et se para d'un aura de militantisme. Il devint le symbole de l'émancipation des femmes, l'emblème de leur désir de se libérer des regards et des dictats masculins. Banalisé, il est porté par toutes les femmes sans plus susciter d'indignation. Et bien voilà pour le thème. Même si dans cette émission, nous n'allons pas faire de débat sur cette émancipation avec les postulantes. Bon, ben je vous dis rapidement où on est. Allez, vol petit drone de papa. Fiou! Voilà, on est juste là. Luminescence. Et comme d'habitude, c'est Dashka qui va nous aider à découvrir l'espace avec la propriétaire. Je suis actuellement à Luminescence et j'ai tout près de moi la propriétaire, Madame Emmanuelle. Et nous parlons un petit peu à l'arrivée pour nous connaître depuis qu'il est Luminescence existé et puis pour qui ça annonce ça exactement. Luminescence, moi choisi non ça parce que pas tant vie, ben un nom qui est déterminé en un tic spécifique. Donc moi choisi un bagage par rapport à domaine que j'ai commencé, qui était bijouterie. Côté grand pile diamant, grand pile pierre, grand pile et un pile lumière. Donc luminescence, c'est lumière qui sortit d'un cristal, d'un diamant. Comme bijouterie, c'est le domaine principalement. Je pensais que je devais commencer avec un bagage qui commençait dans lumière diamant. Yo. Et puis, je espérais que dans le futur, je t'ai présenté lumière business. Là. Et ça existe depuis quand? 2012. Nous ouvrons en novembre 2012. C'est seulement habits de plage que nous vendons ou du moins bien l'autre accessoire. Donc, quand on dit que Luminescence est un magasin en département, nous avons un département sac à main, nous avons des bagages de plage, nous avons deux trois vêtements, nous avons des chaussures. Nous avons un mélange de plusieurs tics, mais toujours dans la mode. Et c'est quoi l'horaire à Luminescence? Nous ouvrons 7 sur 7? Nous ouvrons du lundi au vendredi, okay. 9h-6h la semaine, nous fermons à 3h le samedi. Mais moi supposé que dans les années à venir, on a obligé de commencer à ouvrir le dimanche parce que nous sentis que deux maintenant là, avec un embouteillage la semaine, nous sentis que mon yo pour commencer à sortir le dimanche pour faire achat plus confortablement. Votre c'est mon acheter comme mon abjoint, jeune mon abjoint dans Luminescence, tout type d'âge. On a dit que Luminescence nous gagne pour petit bébé parce que nous gagne bijoux baptême, bijoux communion, bijoux religieux, etc. Nous avons 2-3 articles pour tout le monde, c'est-à-dire articles de plage, sandales. Mais cœur et clientèle, nous avons commencé à entre 25 et 50 ans. C'est l'âge ça qui représente vraiment clientèle nous. Et nous venons développer en gros clientèle dans 40-45 ans parce que nous avons dit que nous sommes le premier magasin qui commençait à présenter des mesdames corpulentes. Parce que la technologie toujours a montré que si ou pas petit, si néon pas en jean, si couleur pas en jean ou pas bon. Donc nous-mêmes nous décidons que Haïti gon panoplie de couleurs moun, gon panoplie de dimensions. Donc nous pensons que nous voulons présenter la femme haïtienne, l'homme haïtien dans l'intégralité. Parce que rapidement, on va rappeler le jour d'ouverture et puis après ça. Ok, jour d'ouverture, du lundi au vendredi, nous ouvrons de 9h à 6h. Le samedi, nous là de 9h à 3h et puis occasionnellement nous ouvrons le dimanche pour fin d'année. Pour tout le mois de décembre, on a ouvert tout dimanche. Et on a essayé de lancer des spéciaux pour inciter les gens à venir acheter le dimanche. Le pas de trafic, le pas de trop de monde et pour être plus confortable pour faire achat. Adresse pour notre 39 rue Clairvaux en face de BUH Mastercard. Les gens qui comptent Hexagone, nous avons un petit carte qui bat Hexagone. Voilà, c'était avec nous Emmanuel, propriétaire Luminescence et moi-même, moi habillé par Luminescence. Pas hésiter à venir dans Luminescence, vous besoin à la plage, vous besoin belle bikini, pas hésiter, nous tous n'attend. On a fait le tour du sujet. On connaît l'affiche, le thème et l'endroit. Maintenant, il ne manque plus que les filles. Que vraiment impatiente,
fan mwen yo tap mande m kote m teye, kote m bon séjour, m trè kontan. Toujours aussi enthousiaste notre chère Émilie. T'aime ça que m pral aborde jodi a et t'aime moi parce que j'adore la piscine, j'adore la plage. Bon, me font pile recherche, ma sur Pinterest, ma sur Google, et ça ma sur TikTok. Ah bon, TikTok? Yes, sir! Moi, je regarde vidéo au monde que là, on parle dans la plage, qui joue et tout ça. Gon parti dans TikTok. Par contre, si tout le monde connaît, mais gon parti dans TikTok qui est vraiment fashion. Moi, je suis stressée. Oups! Ok. Moi, j'étais excitée pour me faire le premier match là parce que moi, tellement préparée, moi, j'étais venue où je suis sur le terrain. Donc, c'est ça qui fait m'exciter. Chaque jour, je suis dans la mer, c'est la mer que je m'aime. Donc, là, je me tenais là, je me dis, ok, ça, c'est thème pam là. Ton thème, genre, tu vas carrément gagner? Map gain. Ok, ok. Map gain, okay. Map gain. Mm-hmm. Jérusalem? Bon, sûrement que si je bat Emily, je vais Jérusalem. Parce que moi-même avec elle, c'est comme si nous avons même tempérament. Ça, c'est comme si. Ça, moi, c'est que moi, j'ai même tempérament avec elle, nous allons ensemble, tout ça. Emily, c'est une concurrente que moi, j'aime en pile. Elle est gentille, elle est très belle et elle a en pile potentialité. Donc, moi, je souhaite une bonne chance. Bon, en fait, partie que je remets dans Jérusalem, c'est qu'elle est bien dans sa peau. Elle est joviale, gentille en même temps. Premièrement, Emily est très dynamique. Et deuxièmement, elle a une belle couleur, même genre avec moi. Alors, Emily, dis-nous, as-tu peur de Jérusalem Mondelus? Comment est-ce que je suis de vous? Qu'est-ce que je fais peur? Moi, je voulais comme si pour l'intimider par rapport à elle, parce que je ne vais pas prendre de lui, elle même tout là va prendre de moi. Mais pourquoi Emily a-t-elle autant peur de Jérusalem? Ah, elle est allée l'espionner, n'est-ce pas? Oui, c'est une zone où elle est motivée. Eh oui, m'espionner, elle me regarde pour qui tu as le poser, elle me regarde tout le bagage ça, qui j'en le poser, qui peut coller tout ça. Ouais, c'est ça qui fait une peur. En effet, Jérusalem est un mannequin redoutable qui a travaillé avec presque tous les meilleurs designers en Haïti. Non. Et c'est ça qui fait mon petit chapeau cap. On te comprend, Emily, on te comprend. Bon, eh ben, c'est l'heure de l'affrontement. Je vous rappelle que les deux jeunes demoiselles auront exactement 20 minutes pour choisir leur tenue de plage. Prête? C'est parti. Regardez-moi, Emily Lalanne, elle est plutôt calme, vous ne trouvez pas? Tu m'en diras des nouvelles, Emily. Continue. Mmh.
choix était vraiment difficile parce que t'es vraiment gagné en pile bagaille. Même t'as allé avec morphologie de couleur pour choisir des rades. Bikini était vraiment belle, même j'entoure avec robe de plage. C'est ça que t'es anti genre angoissé parce que à la fin pas de compte qui choix pour me faire. Par contre, Jérusan m'a l'air plutôt pressée. Va-t-elle confirmer son statut de favori? C'était une belle expérience et moi j'ai senti que 20 minutes c'était trop petit pour moi dans le moment que je t'ai choisi, mais c'était vraiment bien. Tellement pressé. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler. Hé hey, hé, ça commence! Le temps ne nous attend jamais! Ah, le temps, wow. Ce traître! Le temps passe vite! Le temps passe vraiment vite! C'est ça, 10 minutes. Allez, allez les filles, cherchez vite, cherchez bien! Des fois, m'a dit tête moi son challenge. Donc et ou pas besoin fin parler vraiment. M'a pas besoin me préparer pour 20 minutes au contraire m'a pas prendre. Mais m'a toujours dit tête moi que m'a fait des choix que pour moi-même et pour les juges et pour monde qui va regarder. Quoi, Emily? C'est exactement ce qu'on appelle la langue du stress. Thank you.
Allez, on procède vite à un premier essayage. Parce que j'ai trouvé que la couleur là est vraiment pâle sur moi. Je ne sais pas si je là parce que l'été est un petit peu trop sous moi par rapport à la hauteur. Chaud devant! Je ne sais pas si deuxième rad là parce que je pas dans le groupe. C'est presque fini, les filles. Débrouillez-vous, faites vite! Deuxième rad là, par rapport à grosseur, il était un petit jean trop gros, c'est ça fait me battre Kimbel. Malheureusement, le temps est écoulé. Adieu les 20 minutes. Maintenant, c'est l'heure de nous rendre à la plage. Rebonsoir Dashka, dis, est-ce que tu m'entends? Là, actuellement, ça fait 3e sortie de Adam 20 minutes et moi suis super excitée parce que moi, Rémi Lomé, la vie est belle! Et tout à l'heure, qu'on ça, la va exploser parce que nous parlons Jérusalem avec Amy Anthony de Blaz. Pour ça, nous parlons comment, mesdames, vous allez exploser là. Vous allez en bikini. Vraiment, nous ne pouvons pas rater ça! Eh bien, oui, on est à Lully. Et c'est le moment de découvrir les choix de nos jeunes concurrentes. À qui les 3 points du jour? Aurons-nous la chance d'assister au premier match nul de la compétition? Vous êtes plutôt Emily ou Jérusalem? Êtes-vous prêt pour le moment de vérité? Très belle et les lunettes aussi, elles sont très jolies et elles sont belles filles. Poncho est très belle que moi très très aimé. D'ailleurs, moi mes coupes là, moi pensais que au potel très bien, mais
li pa fè zafè a pou mwen parce que m perdu vu costume nan ki sou. M ta bien remen wè tout corps, tout ligne corps. D'ailleurs que mwen pensé ko ou gon très belle corps. Et pancho li empêché que mwen tout ou même tout j'en vann corps et à travers costume de bain. Ça veut dire que pour moi tu es extrêmement belle avec les jambes comme ça. Aïe aïe aïe. M'pas pa arrivé ouais vraiment que ou vann tête ou assez bien dans sa beauté hein, mais je dirais que pour moi c'est tu passes parmi la foule parce que vraiment ou manqué bam effet wow que m'a cherché. Moi remet composition qu'on fait hein, parce que moi remet poncho hein, qui sont poncho de plage, mais moi pas t'a opté pour texture ça pour design là, parce que déjà surchargé il empêchait que moi maillot de bain hein, et me senti comme un bel maillot de bain une pièce. J'adore beaucoup les lunettes très années 40 et très à la mode kounya. Moi remet capable font ti tourner pour capable boire sac là. Bon, pas fin remet sac là. Parce que je trouve que il y a trop de détails. Peut-être s'il était uni, il était beaucoup mieux. Ou bien peut-être il pas obligé en gros sac, il était un petit clutch de plage en paille. Quoi d'autre encore? Ou t'es qu'à opter aussi pour un bikini? Tu vas obliger un monokini parce qu'on a un bel corps. Ou bien opportunité pour jouer sous ça. Vraiment, c'est vraiment avec beaucoup de regret que m'a dit que on passer parmi la foule pour moi-même. Mais c'est composition tenue en manqué, réfléchi. Moi idée qu'on gagne hein, mais composition manqué réfléchi. Faut vraiment opter moi mabdo. On t'a prend on poncho uni. Il me décadé pour un poncho qui ouvre devant qui permet que moi ouais maillot de bain hein, parce que tenue de plage j'ai un maillot de bain là dans tout. Et mais à part de ça, je suis vraiment désolé, tu passes parmi la foule. Tenue en son belle tenue de plage, même pas tape gain sandale ça dans pied, ça c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille c'est que ou tellement gain un bel corps, pas pour qui sont mettez pancho puis vraiment pas ouais costume de bain parce que moi pancho il est très belle, son belle pancho, m'ta ka mettre moi même pour plage. M'ta ka peut-être rentrer avec lui sous bras. Là au fin ouais maillot de bain, moi enfiler le sous moi. Comme ça, yo wè que c'est comme ça son option là fin bien qu'on ka mettre le sou. Mais du coup pour rentrer pour nous juger avec panchoa, nous pas bon on point vraiment qui assez fort parce que nous pas wè ça en bas panchoa et c'est en tenue de plage donc il faut et le maillot de bain et sortie de bain. Donc ça veut dire que là on présenter nos sorties de bain, on pas présenter nos maillots de bain. Est-ce que tu as capable retirer panchoa pour nous wè maillot de bain s'il vous plaît? C'est un très beau maillot de bain que tu cachais sur un pancho. Tu ne peux pas t'imaginer la différence que ça fait. Comme ça, je vois que tu as un très beau maillot et le pancho aussi, il est très beau. Mais tu n'as pas eu cette idée de montrer d'abord le maillot et ensuite bien le pancho. Donc pour moi, tu passes parmi la foule. Pas de beau pour Jehuzan, mais pas si mal non plus pour notre expérimenté mannequin. Par contre, Émilie parviendra-t-elle à obtenir un résultat plus correct? La réponse maintenant. Thank you.
belle. Ou même un petit détail fleur qui botte tout en là avec coupe là vraiment fort bien et puis les lunettes extraordinaires. Couleur très belle sous. Très belle. Et moi à un certain moment m'ta peut-être enlever pareil pour capable permettre que nous ait un petit peu plus élan ou et puis toute ligne corps. Et puis m'ta opté peut-être pour un petit bikini, on trouve que corps t'es capable un petit bikini au lieu de une pièce avec un petit foufou à côté, ça t'a fait affaire avec petit fleur à quoi gain beau tête toi. Un petit bikini à foufou. Pour moi même c'est bon, c'est je ne dirais pas avec la foule, pour moi c'est un beau parce que j'aime bien moi aimer tout l'ensemble couleur yo, vraiment c'est wow. Et je pense que ou t'es capable mettre un petit foufou dans un bikini, un petit foufou qui t'a capable bonne plus bagage, mais je te donne un beau. J'aime beaucoup la composition de ta tenue de plage. Moi trouvé que c'est bien choisi. Moi effet mix and match parce que tendance à très à la mode le mix and match. En maillot de bain qu'on n'est pas obligé de mettre même texture là, même motif yo capable match yo. Moi mes options bikini hein qu'on capable mettre de différentes façons le paillot dis moi mes options paillot hein parce que on pas obligé de mettre le comme ça ou tu as mettre tant qu'on robe ou marrer le derrière cou qui t'a fait très stylé. Moi trouvé que ou un bel corps ou tu as mettre un bikini tout. Il est beaucoup plus sexy. Ça ne veut pas dire que monokini n'est pas sexy. Il est très sexy. Moi, mais le jeu de draper au niveau de poitrine et qui est bien tombé. Bon, bien que le modèle ça n'est pas fait pour tout le monde. Exemple, on fille qui a une forte poitrine, elle est un petit peu trop débordée, elle fait trop vulgaire, mais pour nous-mêmes, ça tombe parfaitement bien. J'aime bien les lunettes, encore une fois, très rétro. Moi mes petits détails fleurs qui bon touche très créole, un belle créole, un belle négresse surtout avec afro coréen. Sans réfléchir. Ou pas même besoin d'accessoires. Bon bien que accessoires l'important dans composition en tenue mais déjà sans accessoires là ouais m'a metto my darling m'a metto non m'a bon gros beau. Elle est superbe. Elle a tout, elle est belle, elle a un beau corps, elle a un beau sourire. Elle a bien mélangé ses couleurs. La seule chose qui manque, c'est probablement les accessoires. À part ça, elle est super. Moi, je suis un petit peu très détail. J'aime bien, hein? Faut pas te mettre dans la tête que... Je vais être méchante avec toi. Mais de ce que j'ai vu dans le magasin, tu aurais pu trouver mieux que ça. Mais quand même, tu es belle. Tu passes parmi la foule pour moi. Wow! Deux bons pour Emily! Du coup, elle réussit l'exploit de remporter cet affrontement contre une adversaire qu'elle redoutait en plus. Comme quoi, il ne faut jamais se sous-estimer. En tout cas, voilà. Du coup, c'est toi qui as gagné, ma chérie. Compliment. Compliment. Bravo. Hein, David, qu'est-ce que tu vois? C'est superbe, superbe. Bravo, Émilie. Compliment, Émilie. Premier match, j'ai deux autres adversaires encore que m'estimer qui est plus dangereuse que Jérusalem. C'est parce que j'ai un premier match pour me laisser aller, je suis juste concentrée, je suis juste sous voir pour deux autres ça qui viennent pour arriver à battre, même j'ai fait à Jérusalem. Non, je ne suis pas d'accord avec le juge parce que personnellement, je pense que tu as jugé.
parce que j'ai un poncho sur moi, parce que j'ai jugé avec poncho et sans poncho. Donc c'est ça qui fait moi arriver perdre du match là, parce que j'ai jugé selon bikini que t'es sur moi hein, avec poncho, mais j'ai pas jugé sans poncho avec bikini. Hein. Et ben voilà, c'est la fin de cette troisième sortie. Merci à Luminescence et à l'accueil des Racines pour ce bon moment sur la plage. Merci à vous également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre match dans le groupe B. Voilà, c'était A dans 20 minutes, troisième sortie.